De suite, je demande à Claude de nous déléguer un humoriste. Ah, oh, que Michel va y faire face. Michel Latrance, je vous présente... Michel Dandy Laclaque, okay. Michel! Mon cher Michel, je vous présente d'abord Stéphane. Santé, Stéphane. Et voilà, c'est 180 secondes à 120. Vous avez 25 $ dans vos poches, Stéphane. C'est parti! Stéphane, avez-vous ça chez vous, un tout-didou? Je pourrais savoir c'est quoi, je pourrais te répondre. Tout le monde a un tout-didou. Voyons donc. C'est ça ici, tout-didou. Ouais. Tout-didou, tout-didou-didou, tout-didou. Vous êtes marié? Non. Vous n'êtes pas marié? Moi, j'ai passé proche de me marier. Ouais. Même ma blonde, elle m'a dit un coup, elle dit, viens chez moi, on va parler d'avenir. Je suis arrivé chez eux, elle dit, à l'avenir, tu resteras chez vous. L'éléphant comme ça qui s'en va, d'un coup, il voit un homme tout nu. Il la gaffe. Hein? T'as pas rien que ça pour respirer? C'est au vrai dent, ça. Au vrai dent. Vous, c'est un accident ou de nos mondes comme ça? De nos mondes comme ça, moi. De nos mondes comme ça? Vous aimez ça? Ouais. Vous n'en voulez pas à vos parents? Oh! Oh! Michel! Attention, Stéphane! Oh! C'est gagné. Je pense que Stéphane était aussi nerveux que Michel. Bravo, Stéphane. Bravo d'avoir maintenu ce sérieux. Bravo. Mais toi, tu peux laisser aller, Stéphane. C'est fini. Tu peux rire. Et à part ça, on va te remercier de ta participation. On a un autre concurrent. Allez, mon Stéphane. Merci. Deuxième concurrent. Il s'agit de M. Bernard Joly de Fabreville. Mon cher Bernard, 60 secondes à vous aussi, ça vaut 25 $. Claude Blanchard, qui on délègue? Comment ça va, Bernard? Ça va bien, Bernard. Je savais pas que tu viendrais ici avec ton casque de bain. Mais... Attention! Oh! Attention, c'est parti! Pas parti encore? Oui. Oh oui, Bernard, faut que je te gagne une affaire. Un matin, comprends-tu, je viens de partir travailler, ma femme a dit, Claude a dit, t'as bien changé. Je dis, voyons, tu sais, un gars qui change pas d'allemand, moi, Bernard. Tu comprends, je dis? Elle dit, avant, je sais pas, dit, quand tu partais pour travailler, elle dit, tu me donnais toujours un bec sur le menton. Ben, je la regarde le matin, je dis, dans ce temps-là, t'en avais bien cœur. Oh. Ah, ouais. Puis hier au soir, on était après faire l'amour, puis à un moment donné, elle dit, j'aimerais donc ça que tu me mordes dans le cou. Fait que j'ai dit, va chercher mes dents sur le bureau. Ouais, t'as l'air tough, t'as Bernard. Oh, Bernard, tu sais l'histoire de l'homosexuel qui s'en allait sur la rue avec un petit nain? T'as fait pas celle-là? Il rencontre un de ses copains, dit, mon Dieu, tu t'en vas avec cette petite-là, je suis une d'hier. L'histoire du tunis qui s'est fait mettre dehors d'un camp de nudistes parce qu'il avait toujours l'année des affaires des autres. Ah, ouais, ça va bien, ça va bien. C'est l'histoire des deux. Attention! Ouais, mets-la dans tes poches. Oh boy. Je pense pas être donné que 5 piastres, Bernard. Oui, non. C'est Bernard. 25 $. Je te félicite, Bernard. Bon, merci Bernard. Merci beaucoup. Troisième concurrent, s'il vous plaît. Madame Denise Noubert de Montréal. Allez, Mme Denise. Denise, il faut que vous soyez honnête avec moi, vous me répondez, d'accord? Je vous ai vu depuis à peu près 120 secondes tenir votre sérieux de peine et de misère. Est-ce que j'ai raison de dire que vous venez de pratiquer durant 120 secondes? Oui, hein? Est-ce que vous êtes d'un tempérament plutôt ricaneur? Non, pas bien, bien. Non? Ah, bon, ben, il vous fera peut-être pas rire, je sais pas. Denise, le dernier qu'il reste, c'est le docteur. Mr. Smile, je vous présente, Mr. Smile. Gérard Vermette, Denise. Bonjour, Denise. Un beau 60 secondes à votre disposition. C'est parti! C'est vous, ma belle Denise. Vous savez que je suis un virologue, hein? Alors, vous allez vous fermer les yeux, ouvrez-vous la bouche. Plus grande que ça, hein? Faites-moi sortir votre rire que vous avez de bloquer en quelque part. Non, j'avais la bouche ouverte, Denis, ça s'en vient, ça débloque, là. Je le vois. Je pense qu'il est resté blanc, mais les narines avec, Denise. Un peu plus grande, Denise. Mirez-vous sur l'autre bord, Denise. Bravo! Bravo! Vous l'avez eu! 25
$5 qui va vous payer avant ça. C'est le premier docteur qui paye. Oh, c'est la première fois, Denise, et vous le méritez bien. Merci. On applaudit Denise, mesdames, messieurs. Merci aussi à Gérard, évidemment. À Gérard Vermette. Merci, Denise. Et le petit changement que nous avons apporté, c'est un autre $25. Vous savez, Gérard, qu'il ne faut pas rire. Vous répondez aux questions. Oui. Puis vous, Diane, manquez-le pas. Il y a $25 à faire si vous le faites rire. OK? Attention, Diane, je vous le laisse. 60 secondes. C'est parti. Je vais l'appeler Gérard à part ça, hein? Mon cher M. Vermette, pourriez-vous me dire comment on appelle un Éthiopien avec une jambe dans le plâtre? Est-ce que vous le savez? Non. C'est pas. Un bâton de golf. Allez, Diane. C'est le petit gars qui s'en va avec sa petite amie dans un parc. Alors, ils s'en vont tout bonnement. Fait que la petite fille, elle voit un petit couple qui est tendu aux côtés d'un buisson. La petite fille, elle dit à son petit ami, elle dit, Gérard, qu'est-ce qu'ils font là? Fait qu'ils y font de la salade. Ah ben... Il passe un autre 5-10 minutes plus loin, il voit un autre buisson. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres aussi? Ben de la salade. Hé, Gérard. Fait que là, le petit gars, il demande à sa blonde du coudon, il dit, ça te tente-tu de faire de la salade? Continuez l'appareil, continuez l'appareil. Ça te tente-tu de faire de la salade? La petite fille a dit, OK. Il s'étend aux côtés d'un buisson. La petite fille a dit, je vais m'en aller chez nous. La petite fille, elle arrive toute beurrée, toute tachée. Sa mère a dit, qu'est-ce que t'as fait là? Ben, j'ai fait de la salade. Ben, il disparaît, t'as le visage tout plein de mayonnaise. Oh! 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 Tu penses pas qu'on a celle-là! Diane! Oh! Diane, merci beaucoup! Mais Diane, malheureusement, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de $25, elle ne l'a pas fait rire. Non! Oh, non! Hey! On ne dilapide pas l'argent comme ça! On ne dilapide pas l'argent comme ça! On ne peut pas dilapider l'argent! Aurait fallu qu'il rie! On n'est pas à 25$ près, mais moi, vous dire une chose, elle l'a pas gagné. Non, je ne peux pas permettre ça. C'est dilapider des fonds. Vous ne l'avez pas fait rire. Qu'est-ce qui arrive? Allez, $25. Payez $25. $25 pour Diane. Bravo, bravo. Merci beaucoup, ma belle Diane. OK, Michel, ça va faire, c'est fini, là. Merci à nos comédiens, mesdames, messieurs, et les autres.